Agent Joyka, vous me recevez ? Oui, inspecteur Dwitch. Je m'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Code rouge, nous subissons des attaques extraterrestres sur l'ensemble de la planète. Toute la surface du globe est envahie, et nous avons besoin de vous. Non, je peux pas le croire. Ben, vous allez être un peu obligé là, parce que c'est un peu urgent, hein. D'ailleurs, ces aliens ne s'intéressent qu'aux espèces intelligentes, hein. C'est pour ça que je vous ai mis dans le coup. Dans le cul ? Comment ça ? Putain, mais qu'il est con. Mais je vous demande juste de trouver un moyen de chasser les aliens de notre planète, parce que sinon on va tous mourir, on va tous crever là. Comment ? Putain de merde. Vous savez, c'est comme dans les films, hein. Vous allez dans leur vaisseau et puis vous essayez de trouver leur faille, voilà, ça doit bien exister. Ah, mais oui, ok, je vois, je m'en occupe. Très bien, je suis fier de vous, et n'hésitez pas à en capturer, hein, quelques-uns pour faire des analyses, ça peut toujours servir. Non, là j'ai pas le temps. Mais je comprends pas, vous disiez que... Arrête de m'appeler. Mais Joyka, depuis quand je tutoie, mais qu'est-ce que vous... Ah, ciao. Je le déteste. Voilà, c'est officiel. Autrefois, ça n'était qu'un gamin. Non, je peux mettre la voiture au plafond. Non, Jordan. Mais pourquoi ? Benjamin ! Il a fait beaucoup d'erreurs. Il est maintenant devenu grand. Ok. Dans un monde qui va à sa perte, où la population n'est pas en sécurité, un drame va tout changer. Aujourd'hui, un crime a été commis. Quelqu'un a pété sur mon sandwich. Oui. Non, pas celui-là. Des années, des siècles, des décennies qu'on attend ça, là ? Et c'est ça ? C'est cette merde, là ? Seul face à une invasion. Quoi ? Ah ouais ! Ah oui, bah voilà, là, on est dans la merde, là. Du courage, okay, de bon. L'abnégation... C'est bon, c'est sous contrôle ! Et de la arrêtez modestie. Les, les extraterrestres sont parmi nous, et je vais les rencontrer. Non, arrêtez, pas de photos. Pas de photos, arrêtez. Arrêtez, non. Arrêtez, pas ça, pas maintenant, pas un moment si important de l'humanité. Son seul pouvoir est qu'il n'en a aucun. Aucune trace. Mais l'odeur, elle, c'est la signature d'une personne. Si ce n'est pété. Un film à couper le souffle. Bon, comme vous m'avez recalé au téléphone, je vais vous parler directement. Ah, attends, je comprends pas ce que vous dites là, monsieur, madame, je sais même pas comment vous appelez. C'est quoi ce langage de con là ? Ici, terre. Humain. Vous quoi ? Nous, humains. Là, le sort du monde dépend de vous. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui me déprime. C'est pour ça que je viens tous les jours ici. Mais comment ça, tous les jours ? Vous l'avez appris aujourd'hui ? Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être. Ou peut-être pas. Bah, si, c'est évident. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est non. Non, mais c'est pas possible. T'as les crampes, t'es ? Comment ? Quoi ? Quoi coup bien ? Ah ouais, oui. Oui, donc t'es con, quoi. Oui, aussi, ouais. Sinon, j'ai trouvé une solution. Leur nombril sécrète une substance qui est toxique pour eux. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait se procurer cette solution et en produire en grande quantité, pour en faire un remède, quoi. D'ailleurs, vous savez, il y a une rumeur qui dit que, en gros, les humains, ils puent du nombril. C'est marrant. Et tu vois, c'est pour ça que je monte jamais mon nombril. Regarde. Non, pas ça, pas ça. Oh merde. Bah oui. Agent Joyka. Le 3 août, seulement au cinéma. Tu peux courir comme tu veux, je t'attraperai. Tu peux courir comme tu veux, je finirai par t'avoir. Mais Jordan, il est dans l'autre sens, l'extraterrestre.